Bonjour tout le monde, excusez-moi, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, j'ai pas trop de vidéos en ce moment à poster. Et donc du coup aujourd'hui je me suis dit, allez, cette fois-ci, allez, je vais faire l'effort de faire quand même une vidéo. Parce qu'entre le déménagement, maintenant c'est l'emménagement qui prend le dessus, mais plus le déménagement, celui-là au moins c'est fait. Entre l'emménagement, les cours du conservatoire, parce que là le trajet change un petit peu parce que c'est un petit peu plus loin que avant. L'association et en fait tout ce qui est des obligations familiales, j'ai pas eu le temps ni de filmer ni de poster une vidéo. Et là je me suis dit, vu que là vous aimez bien les vidéos ménage, motivation et tout ça, là j'ai une petite vidéo à vous partager. C'est le rangement un petit peu, je dis bien un petit peu parce que ce sera pas pour aujourd'hui que ça va en fait tout se faire dans la salle de bain ni même dans les autres chambres. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je ne publie pas, que je ne filme pas, parce que je n'ai pas encore pu tout emménager. Ça a un coût, il faut du temps, donc je fais petit à petit, mais j'ai pas tous les meubles, parce que là je me rends compte que les meubles que j'avais là-bas, il y en a qui sont cassés, il y en a qui sont pas assez pour emménager toute la maison. Et du coup j'ai pas envie de faire une vidéo juste pour faire une vidéo. J'aime quand même vous partager des jolies choses, donc voilà. Aujourd'hui donc ce sera un rangement un petit peu de la salle de bain. Je vais vous montrer l'état et comme ça je vous montrerai l'avant, l'après, ou je vous montrerai un petit peu quelques bouts de ce que je fais. Voilà, allez, c'est parti. Donc là il y a les jouets, bienvenue dans ma vie, le miroir sale, il y a quelques linges, donc là il y a la poubelle. On vient d'acheter ce meuble là, donc de chez Monsieur Bricolage. Franchement c'est très joli, c'est en bambou. Désolée du retour de lumière, mais voilà. Donc voilà, après il y a des petits, voilà. Donc quand on l'a acheté hier, comme je vous dis, donc tout ce qui est rangement, c'est pas encore fait. Stéphano l'a monté hier soir. Et là, il y a encore tous les produits parce que voilà, il n'y a pas de place. D'ailleurs, je pense que je vais acheter un truc ici pour mettre les produits qui sont là. Mais en attendant, je vais essayer déjà d'emménager, donc de ranger un petit peu ici quelques bricoles déjà. Ici, donc je ne suis pas à jour au niveau des linges sales. Parce que le temps ici est pourri et même quand il y a le soleil, ça n'assèche pas les linges parce que d'un seul coup il y a la pluie. Donc moi j'oublie de mettre à l'abri parce que je profite du soleil et du coup à chaque fois ça devient mouillé encore. Et du coup voilà, ici donc il y a les deux meubles où il y a les draps et tout ça parce que j'ai pas encore de meubles de rangement des draps. Ici, il y a encore plein de trucs qu'il faudra que je range. Et ici, il y a les serviettes. Je pense qu'aujourd'hui, je vais faire le nettoyage des serviettes parce que il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de serviettes propres. Donc, je vais faire ça. Je vais ranger ça, me mettre à jour un petit peu avec le linge sale, au moins que ça déborde, que au moins cette partie-là soit... Voilà. Tout ça. Soit rangé, j'arrive plus à dire le mot, soit rangé, soit nettoyé. Et voilà, et il y a aussi le petit miroir que j'ai mis ici sur la porte. Et après il y aura le nettoyage plus ou moins du carreau et du sol. Là j'ai attendu que tous les enfants ont fini leur douche, ça c'est vraiment pour essuyer les pieds, c'est pour ça que c'est par terre, pour maintenant nettoyer tout ça. Ça ce sont, je sais plus si c'est à moi ou c'est à ma soeur ou c'est à ma fille, je sais plus, mais bon, je pense que c'est à moi. Allez, je vais nettoyer tout ça, donc je vous montre l'état de l'avant. Et ensuite il y a ça aussi que je vais nettoyer, donc le WC. Donc aujourd'hui ce sera nettoyage, rangement des sanitaires. Comme vous voyez, il n'y a pas encore de rangement, on se souvient de faire pipi et voilà. Allez, c'est parti. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up,
Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up! J'ai mis juste ici les produits qui étaient un peu traînés ici. De toute façon, là, il y a encore les brosses à dents. Je vais encore manger ça. Pour l'instant, on n'a pas de rangement, donc je vais laisser comme ça. Je vais juste nettoyer un petit peu les dentifrices et compagnie. Et après, je laisserai là pour l'instant. Parce que j'ai plus le rangement que j'avais dans l'autre appartement pour les brosses à dents. Donc là, il faut que je rachète un autre ou que je trouve une solution. Et voilà donc comment j'ai fait pour l'instant. Donc ça c'est une un bocal de Nutella je crois. Et ça ben, c'est une boîte que j'avais achetée il y a longtemps. Et là il y a les dentifrices de tout le monde et les brosses à dents de tout le monde. Voilà, allez, on continue. On n'arrête pas notre motivation. Maintenant on va nettoyer un petit peu, ranger un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. Thank you.
j'ai rangé dans cette boîte tous mes petits crayons cils et compagnie, maquillage, les crèmes et tout ça. Donc je vais ranger sur les meubles. Et là, il y a les mouchoirs. Et ça, c'est tout ce qui est tondeuse et tous les accessoires de monsieur. Et j'ai rangé aussi les petites peines anti-poux au cas où il y a des poux. Ça, c'est vraiment le truc phare hein, quand on a des poux. Alors, j'ai presque plus de batterie. Là, je filme avec mon téléphone qui n'a presque plus de batterie aussi. Donc là, j'ai mis toutes les boîtes qu'il y avait ici. Donc là, je vais les nettoyer ici parce que c'est plus pratique. Je vais nettoyer un petit peu tout ça. Et le ranger. Voilà. Donc du coup, là, je vais faire ça. Et je vous refilmerai après. Parce que là, je pense que j'aurai pas le temps. Je vais juste vous dire ce que je vais faire. Et après, je vous montrerai l'après. Je vais nettoyer les vitres. Comme vous voyez, c'est un petit peu sale. J'ai juste passé de l'eau hein, et un peu de savon là-dessus. Je vais passer la serpillière en bas. Parce que là, comme je vous ai dit, les enfants ont pris leur douche. Je vais changer l'eau du coup avant de faire ça. Je vais nettoyer le pot aussi. Mettre un petit peu de gel WC. Donc ça, je vais pas faire maintenant. Je le ferai. Je pense que l'eau, je vais jeter dehors. Hein, parce que là, on a la chance d'avoir un extérieur. Donc, je vais faire... Je sais pas si j'aurai le temps de filmer celui-là. Allez. Je pense que je filmerai ça. Mais en tout cas, ici, je pense que j'aurai pas le temps. Parce que si j'attends que la batterie charge... je perdrai beaucoup de temps, mais en tout cas là je vous ai montré un petit peu comment j'ai rangé les trucs qui traînaient un petit peu partout. Et ça aussi je pense que je vais ranger quelques shampoings, produits, tout ça ici également. Et voilà, allez, c'est parti parce que sinon je vais être très en retard parce que là j'ai encore plein de choses à faire. Et je vais aussi nettoyer un petit peu le couvercle des dessous et voilà, vous voyez là il y a des trucs comme ça, donc voilà. C'est de la peinture, hein, rassurez-vous. Et voilà donc le travail. Là, il y a le meuble, comme je vous ai dit. J'ai rangé tout ce qui traînait ici. Ici, donc là, j'ai nettoyé la poubelle. J'ai mis la poubelle comme ça. Là, il y a le chiffon que j'utilise souvent pour nettoyer ici. Mais je vais l'étaler tout à l'heure à l'extérieur, l'étendre. Ici, il y a les brosses à dents et les dentifrices. Voilà, ça, je remets à sa place. Voilà. Ici, les linges sales, donc je suis quand même avancée, hein, parce que là, j'ai fait une machine. Ici, j'ai mis comme ça les deux boîtes de linge de maison, parce que j'ai pas encore de place. Hein. Et ici, la porte-serviette. Donc, j'utilise ça comme porte-serviette. Et là, j'ai fait une petite... Un petit nettoyage. J'ai nettoyé aussi le bout et le seau parce que ça sentait pas très bon vu qu'il y avait de l'eau qui traînait un peu en bas. Donc là, j'ai nettoyé aussi la robinetterie, le vitre. Et voilà. Là, je vais prendre ma petite douche et après, je ferai. Non, je vais faire d'abord les toilettes. Allez. On va faire ça. Là, j'ai vidé un petit peu. J'ai enlevé tout ce qui traînait un peu. Donc là, je vais passer juste un petit balai et de la lingette au vaisseau. Thank you.
Et voilà, donc le résultat, c'est propre, ça sent bon. Et voilà, ici, pareil, hein, c'est propre, ça sent bon. Et je vais enfin me doucher pour me sentir bon aussi. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, alors que vous regardez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Laissez des likes, lâchez des commentaires. Voilà, partagez autour de vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!